avec la Russie, la Tchécoslovaquie et la Norvège. Les six autres formations jouent dans l'autre groupe. À l'issue des matchs qui vont mettre ces six équipes aux prises, il y aura un classement de 1 à 6. Les deux équipes qui se termineront sixième de chaque groupe joueront pour la relégation. Les deux équipes classées cinquième auront terminé le tournoi. Et puis les équipes classées de 1 à 4 disputeront des play-offs contre les équipes de l'autre groupe jusqu'à la finale qui aura lieu le dimanche. De retour à Prague, en Tchécoslovaquie, pour le deuxième match de ces championnats du monde de hockey sur glace. C'est le groupe A, bien sûr. Karaitis derrière avec Mironov. Mironov qui revient de National Hockey League, où il est allé pendant quelques semaines jouer avec Toronto. Et puis il y aura en attaque Kovalenko, Boutsayev et Khmilev. En troisième bloc, Yushkevich, Jitnik, avec Korolev, Djamnov et Petrenko devant. Et en quatrième bloc, Bautin et Biakin, avec en attaquant Kovalev, Barkov et Tkachuk. Vous constaterez que dans cette liste manque Kamensky. Kamensky qui est venu hier, il était ici à Bratislava et il est reparti. Le capitaine de l'équipe de Suisse, c'est Jörg Eberle, l'équipe de Suisse qui est donc sur votre gauche. Voici d'ailleurs le nom des joueurs qui apparaissent avec... Un premier bloc, vous le voyez, composé de Sven Leyenberg et de Kessler derrière, avec Kisfer, Montandon et Ovald en attaque. Gilles Montandon qui fête par ailleurs aujourd'hui son 27e anniversaire. Et puis une ligne assez étonnante ici avec Grandtusine, Lutti et Hollenstein. Chenio, Triulti et Brodman, vous le voyez dans ce quatrième bloc. Reto Pavoni étant le deuxième gardien. J'espère que l'équipe de Suisse va jouer beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait et ne va pas se contenter du minimum, c'est-à-dire de se maintenir dans ce groupe A. On attend d'elle qu'elle termine tout de même parmi les quatre premiers de son groupe. Et voici John Sledvall. Et Sledvall à la tête de cette équipe nationale. C'est le premier match sérieux, dira-t-on, de ces deux entraîneurs avec l'équipe nationale. On ne tiendra pas compte des matchs de préparation. Vous le savez, la Suisse a été battue 3-0 par la Russie et elle a battu à deux reprises les États-Unis, 2-0 et 4-3. Et dans l'image, vous avez ici le gardien de l'équipe russe. Il s'agit donc de Mikhail Stalenkov. Âgé de 27 ans, Stalenkov, gardien de Dynamo Moscou. Gilles Montandon à l'engagement face à Boutsayev. Le match est parti, le poquet sur la crosse de Sven Leyenberg. Poquet récupéré par Mironov. Retour à Mironov, à la ligne bleue, un premier tir de Mironov, repoussé par Renato Tosio et Dino Kessler. Dino Kessler, que va-t-il faire de ce puck? Dino Kessler, il relance sur la gauche, mais le puck lui revient. Kessler pour Gilles Montandon. Stalenkov, attaqué par Kisfer, le puck reste dans la zone de l'équipe russe. Et un tir de Montandon, premier bon tir de Gilles Montandon. Ce n'est peut-être pas terminé, arrivé de Riva maintenant. Riva en position du puck, Riva qui manque sa passe et attention à la contre-attaque des Russes. Kovalenko au centre. Et un puck capté par Renato Tosio. Alors Tone est sur la glace. Alors Antitone est sur la glace, il ne figure pas sur la feuille de match. Mais l'important c'est qu'il soit donc présent, Tone avec Eberle et Weber. Tone, le voici précisément qui lance devant lui, il n'y a personne, ce sera donc un dégagement interdit. Et on va se retrouver dans le camp de l'équipe de Suisse, on joue depuis 1 minute et 16 secondes. Deuxième bloc suisse, donc sur la glace, avec Eberle, Weber, Tone, et puis derrière Bertaggia et Luigi Riva.
Luigi Riva, joueur d'Ambri Piotta, qui dispute son quatrième match international seulement. Alors que le joueur le plus sélectionné, vous voyez, il est en position du poste maintenant, c'est Jörg Eberle, qui en est lui à son 157e match international. Donc russe, Prokhorov, mais il y avait un hors-jeu. En jeu de Porchevski. Une minute 35, un bon tir de Montandon contre le gardien russe Strenkov. Un tir également des Russes arrêté par Renato Tosio. Époque sur la crosse de Patrick Sauter. Antizin. Antizin encore qui insiste, il a pu donner à Freddy Luthi. Et le puck est récupéré par les Russes qui ressortent de leur zone. Kessler. Kessler qui joue maintenant avec Patrick Sauter, donc derrière. Hollenstein, Félix Hollenstein qui était le grand absent des Jeux Olympiques pour Freddy Luthi. Freddy Luthi qui donne derrière lui à personne. Petrenko. Petrenko qui prend son temps. Oh, un bon tir de Petrenko repoussé par Tosio. Le puck restera russe. Korolev et Renato Tosio. Et ici vous apercevez encore et toujours Victor Tikhonov. Victor Tikhonov qui est parvenu à conduire l'équipe russe au titre olympique à Méribel. Il y a un mois et demi de cela. Et on engage sur la gauche des buts de Renato Tosio, Chelio. Chelio pour personne. Et c'est à nouveau un dégagement interdit. Alors sur la glace maintenant, il y a Balmer avec Honegger. Celio Triulti et Mario Brodmann. Donc perdu par Honegger, il est récupéré par les Russes, c'était bien essayé. Bien essayé de la part de Tkachuk. Tkachuk qui porte le numéro 15, le numéro habituellement de Romoutov. Dans l'équipe nationale. Balmer. Samy Balmer. Au centre, c'était pour Triulti, Strenkov. Tire de Barkov. Barkov, un joueur de 27 ans, du Spartak également. Biakin, le joueur de Rapportville. Et hors-jeu très net de Tkachuk. Et on joue depuis 3 minutes 30. Engagement entre Montandon et Boutsayev. Le premier bloc helvétique sur la glace à nouveau. Patrick Ovald. Patrick Ovald, il insiste. Le puck va ressortir de la zone. Milev. Il se heurte à Montandon. Kovalenko. Et les Suisses qui peuvent récupérer Montandon. Bien joué pour la gauche, c'était pour Ovald. Ovald cherche Kisfer, le joueur d'Ambri Piotta. Kisfer qui parvient à redonner à Montandon. Et Montandon ne sait que trop faire de ce puck. Kisfer. Ah, pour l'instant, les Suisses jouent sans complexe. Ils ne jouent pas mal du tout. Weber. Le
tout de même plusieurs joueurs qui n'étaient pas au rendez-vous olympique qui sont présents maintenant dans l'équipe nationale. Christian Weber est l'un d'eux. Le voici, Christian Weber, le joueur de Zurich, pour Bertadja. Bertadja devant lui, le cherchait Eberle. Et ce sera à nouveau un dégagement interdit. Boldin va être à l'engagement. Engagement face à Christian Weber. Et le voici Weber. Weber, Bertadja. Tone. Riva. Bertadja, tir mal cadré. Malakoff. C'était pour Borczewski. Attention à Prokhorov. Prokhorov, le capitaine de cette formation russe. Et arrêt de Tozio. Bon, on voit. Tire pas très très dangereux, il est vrai. Tire de Zutnik. Hollenstein. Hollenstein, Kessler. Kessler qui manque sa réception et qui peut redonner à Hollenstein. Le puck reste dans la zone. Attention à l'arrivée de Petrenko. Petrenko qui est chargé par Kessler, mais qui parvient à donner tout de même. Korolev. Petit numéro de Korolev. Yamnov. Et Tozio qui va se coucher. Toujours 0 à 0, 6 minutes et 7 secondes de jeu. Et entrée du quatrième bloc helvétique avec Chelyoti et Brodman à nouveau devant. Biakin. Le puck est sorti de la zone, il a été touché par Biakin. Biakin qui insiste et qui peut redonner à côté de lui directement à Bautin. Kovalev. Et Samy Balmer, le fribourgeois, Kovalev. Barkov, au centre, c'est bien joué. Barkov et puis Tozio qui s'interpose à nouveau devant le catch-out. Il a plus de travail que son vis-à-vis, mais il faut bien convenir que les actions russes ne sont pas très très dangereuses pour l'instant. Les Russes dominent, mais Tozio est assez serein. Après 6 minutes 38, il est toujours 0 à 0. Engagement sur la gauche, début du gardien suisse. Avec à nouveau Montandon. Montandon face à Boutsaïev. Gilles Montandon. Ovalde. Kiesfer. Lehenberg, Kessler. Ah, ça pourrait passer, mais intervention des Russes maintenant. Lehenberg. Et oh, une bonne position, une bonne possibilité même pour Jmilev. Jmilev qui insiste, Jmilev toujours. Il donne le puck à Boutsaïev. Et une première pénalité est sifflée contre Sven Lehenberg.
Alors c'est la première pénalité de cette rencontre. Le voici Sven Leyenberg. Engagement dans le camp suisse et l'engagement a été gagné par les joueurs de cette vol. Dégagement. Évidemment, les deux minutes à venir risquent d'être pénibles pour l'équipe helvétique qui, pour le moment, parvient à ressortir la puck une deuxième fois de sa zone. Salenkov, Zubov. Et Bertadja qui manque son dégagement. Prokhorov, Zubov, retour à Prokhorov. Bertadja, il va dégager. Oui, le puck est ressorti de la zone, c'était bien joué. Là, les Russes peuvent installer leur power play. Zubov. Malakoff. Et Tozu qui repousse, le pocket suisse est dégagé. Sergei Zubov. Encore 35 secondes de pénalité contre Sven Leyenberg. Donc pour l'instant, les Suisses s'en sortent parfaitement bien. Puck récupéré par Dietnik. Kovalev. Et mauvaise passe. Alors. Encore des secondes de gagner, et puis dans 5 secondes maintenant, Leyenberg va pouvoir regagner sa place sur la glace. Voilà qui est fait donc les deux équipes au complet. Pénalité passée sans dommage par l'équipe helvétique. Et hors-jeu. Hors-jeu de Korolev. Et Simisto Antizin qui n'était pas non plus du déplacement de Meribel. Antizin dispute son 7e match avec l'équipe de Suisse. Sven Leyenberg. Montandon, il est un peu seul. Derrière lui, il cherche Leyenberg. Un tir de Leyenberg, pas très très dangereux. Barkov. Et on approche de la 10e minute, voilà 10 minutes de jeu dans cette première période, 0 à 0 toujours. Kovalev qui perd le puck, récupéré par Patrick Souter qui n'hésite pas à tirer. Le tir de Patrick Souter. De dégagement interdit, Boutaïev face à Samy Balmer, il a le dessus le joueur de Gautheron. Balmer sur la droite, c'est bien joué pour Tote, une occasion pour les Suisses, Tote qui remet au centre, et goal, but de Jörg Eberle, but de Jörg Eberle sur un rang de la défense, belle action de Anderson. Et puis Jörg Eberle survient après 10 minutes et 34 secondes, la Suisse mène 1 à 0. Eberle, 10 minutes 34. Alors voilà un bon début de match de la part des joueurs de Stedvold et de Gilligan. Petite hésitation de la défense, on le voit, et Jörg Eberle survient au bon moment. La Suisse mène 1 à 0. Merci.
L'équipe de Suisse qui donne l'impression de jouer de manière plus volontaire, de manière beaucoup plus disciplinée qu'elle ne l'a fait lors des Jeux de Méribel. Hallenstein. Il est vrai que les Russes ont dominé jusqu'à maintenant. Et c'est à nouveau un engagement dans le camp helvétique après ce dégagement interdit. Dégagement gagné par les Suisses, le peu constant de la zone. Attention maintenant. Zanoff, défense regroupée, disciplinée. Il y aura une pénalité contre le joueur russe, tant qu'il occupe sa case. Voilà le poke qui est touché par les représentants de la Russie. Pénalité contre joueur de Viktor Tikhonov, alors que Sven Leyenberg reste à terre. Il a de la peine à se relever. La charge de Korolev et Sven Leyenberg qui ne se relève pas. Korolev qui va donc sur le banc des pénalités. Igor Korolev, joueur de Dynamo Moscou, un jeune joueur, 22 ans. Avec leur premier bloc sur la glace en supériorité numérique. Kachuk. Honegger. Kiefer. Stalenkov qui redonne directement pour Kachuk. En dehors de la zone de défense des Russes, Bertadja. 12 minutes de jeu. 1-0 pour la Suisse face à la Russie. Bertadja. Kiefer. Montandon. Montandon qui accélère, Montandon toujours. Montandon, il n'arrivera pas à conserver le puck. Puck qui n'est pas sorti de la zone. Balmer a pu le maintenir dans la zone. Bertadja. Voilà, les Suisses vont pouvoir installer leur powerplay. Bertadja. Revald. Revald toujours. Revald encore. Il va au centre. Revald. Et le puck frôle les buts n'y entrent pas. Dégagement des Russes maintenant. Encore 33 secondes de pénalité contre Korolev. Balmer. Prokhorov. Riva. Eberle, Jörg Eberle qui a marqué le but tout à l'heure après 10 minutes et 34 secondes. La pénalité maintenant va s'achever. Les Russes vont se retrouver au complet. Voilà, les deux équipes au complet. 1-0 pour la Suisse donc. Prokhorov. Encore 6 minutes et demie à jouer dans ce premier tiers. Oui, un tir qui ne passe pas loin du montant gauche de Tozio. Et Tozio qui renvoie. Tone. Korolev.
Leuenberg. Et un puck à nouveau dégagé par les Suisses. Les Suisses, on le répète, qui sont certes dominés, mais qui ne sont pas véritablement en danger. Pas de véritable occasion de but pour les Russes pour l'instant. Hollenstein. Petrenko. Korolev. Et puis Riva va être pénalisé par l'arbitre finlandais, M. Jokela. Alors c'est la deuxième fois que les Suisses vont se retrouver en infériorité numérique. Il reste 5 minutes 27 à jouer. Riva sur le banc des pénalités après celle de Leuenberg. C'est la deuxième pénalité contre la Suisse. Une Suisse qui va jouer avec Honegger, Triulsi, Brodman et Patrick Souter. Luigi Riva, donc joueur d'Ambrigiota, âgé de 24 ans. Et un puck dégagé par les Suisses. Sautin. Bon jeu. Zubov. 5 minutes à jouer encore dans cette première période. 1 à 0 pour la Suisse. Et puck récupéré par Prokhorov. Prokhorov, mésentente avec Borchevski. Prokhorov. Souter, il insiste, Souter, il permet à Leuenberg de revenir. Leuenberg, oh, Leuenberg donne mal. Mais les Russes n'en profitent pas, le puck est sorti de la zone. Et un puck pour Brodman. Belle occasion pour la Suisse, à 4 contre 5. Malakoff. Encore 45 secondes de pénalité contre Riva. Et Fer qui essaie de pousser ce puck hors de la zone, il n'y parvient pas. Balmer. Kasparaitis. Hors-jeu de Kovalenko. Encore 21 secondes avant le retour de Riva. Et encore 3 minutes 48 à jouer. Ici Andrei Kovalenko, joueur du CSKA à Moscou. 22 ans, il fait partie de ces jeunes joueurs que Victor Tikhonov est allé chercher pour étoffer cette nouvelle équipe russe. Et la rentrée de Tone, de Souter, de Bertaggia. Et de Weber. Weber qui va être à l'engagement. Encore 9 secondes, les Suisses seront complets. Bertaggia. Derrière lui, Petrenko. Le poker suisse et les Suisses sont dans leur zone. Ils sont complets maintenant. Anditone, il va comme avant, Anditone, et il tire. Anditone encore, et go! Oh, c'est pas vrai, 2 à 0! But de Anditone, 2 à 0!
Alors c'est incroyable ce qui est en train de se passer ici dans cette première période. 3 minutes 27 à jouer encore. Et la Suisse mène 2 à 0 contre la Russie, contre l'équipe qui est championne olympique. But de Tone. Tone qui a déjà amené le premier but, mais ce peu qui a été touché par un joueur russe. On le revoit ici. Tone qui récupère. À moins qu'il ne soit touché par Christian Weber. Alors, en tout cas, le but est accordé à Andy Tone, mais il est bien possible qu'il ait été touché par Christian Weber. 2 à 0 pour la Suisse. Après 16 minutes et 43 secondes de jeu dans ce premier tiers-temps. La Suisse mène 2 à 0 contre la Russie dans un championnat du monde. Mais ce n'est pas terminé, bien sûr. 2 minutes 44 à jouer encore dans cette première période. Et ici Renato Tosio. On imagine que Victor Tikhonov ne va pas être très tendre pendant la pause. Époque ressortie de la zone, il y retourne. Honegger. Cross haute de Zuboff. Doug Honegger qui avait disputé 2 matchs à Méribel avant de se fracturer un doigt. Et il avait terminé les Jeux Olympiques prématurément, le joueur de Lugano. Et on va engager dans le camp de l'équipe russe sur la gauche du but de Stalenkov. Un tir de Honegger, contré. Et à nouveau une pénalité différée. Le gardien Stalenkov a quitté sa case. Les Russes en supériorité numérique. Ce sera la troisième fois qu'un joueur suisse sera pénalisé. Et cette fois-ci, c'est Mario Breutmann qui va aller sur le banc. Encore 2 minutes 18 à jouer dans ce premier tiers-temps. Mario Breutmann. Il dispute son 22e match international. Breutmann, il avait commencé sa carrière le 2 juillet 1990. Un match contre l'Allemagne de l'Ouest à l'époque qui s'était terminé sur le score de 2 à 2. Petrenko. Au centre et les Russes ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont d'habitude. Beaucoup de choses manquées. Les Russes, je vous le rappelle, qui ne jouent pas avec Kamensky. Il ne joue pas non plus avec Krutov qui avait été retenu et qui avait même disputé le match de préparation contre la Suisse. Zitnik, des Russes qui sont arrivés hier seulement à Bratislava. Zitnik, alors que les Suisses sont arrivés avant-hier. Korolev. Alors c'était une équipe de Suisse motivée, disciplinée, qui joue bien derrière et de l'autre une équipe russe qui se cherche un peu. Encore 33 secondes avant le retour de Breutmann. Et voyez Zitnik qui manque ici, ce n'est pas l'habitude de cette formation russe. Encore 45 secondes à jouer, Tosio. Et un puck dégagé de manière parfaite. Mironov.
Boutsaïev derrière lui pour personne. Riva qui ressort le poke de la zone. C'est la troisième fois que les Russes sont en supériorité numérique et ils n'ont pas véritablement inquiété Renato Tosio. Voilà, la pénalité est terminée. Il reste 15 secondes. Lui qui cherche le poke, il ne l'a pas trouvé. Mironov, 5 secondes. Un tir pour Renato Tosio qui bloque, mais la sirène retentit. On en reste donc à 2-0. 2-0 pour l'équipe de Suisse contre la Russie. Après ce premier tiers temps, des buts, je vous le rappelle, marqué par Jörg Eberle après 10 minutes et 34 secondes. Et puis par Andy Tode après 16 minutes et 43 secondes. Dans quelques minutes, on reverra ces deux buts. Et puis on suivra ensemble, si vous le voulez bien, la deuxième période. Et nous nous retrouvons à Bratislava pour revoir les deux buts marqués. Deux buts marqués par l'équipe de Suisse contre la Russie. Le premier, vous le voyez, par Jörg Eberle après 10 minutes et 34 secondes, après que Andy Tone a amené ce puck devant la cage de Stalinkov. Ici, une faute contre Sven Leyenberg qui vaudra 2 minutes au joueur Korolev. Et puis c'est le 2-0, oui c'est le 2-0, alors un montage un peu spécial, la faute de Korolev n'avait pas grand chose à voir. On revoit ce tir de Andy Tone qui a marqué, qui ira maintenir ce résultat. La réponse dans les 20 minutes à venir. En tout cas pour l'instant donc la Suisse mène 2-0 face à une équipe russe qui n'a pas été transcendante, qui n'a pas été à l'image de ce qu'elle est d'habitude dans la première période. Engagement avec le premier bloc helvétique bien sûr sur la glace, c'est-à-dire Ovald à gauche, Montandon au centre et Fer à droite. Et c'est Boutsaïev qui engage pour l'équipe russe. Les deux équipes sont au complet. Il y a eu trois pénalités, on revoit un goal. Alors que le match se déroule devant la cage de Tosio, on revoit le but d'Eberle. On aimerait vraiment qu'on revienne sur le match parce que on joue déjà depuis 25 secondes. Alors on revoit maintenant le deuxième but qui a été marqué dans la première période. Il ne semble pas que Christian Weber ait touché le puck, donc un but qui a été accordé à Andy Tone. Mais ça c'était pour la première période. Voilà, on revient maintenant en direct dans le deuxième tiers temps. Engagement sur la gauche des buts du gardien Stalinkov alors qu'il y a eu un dégagement interdit de la part des Russes. Weber est à l'engagement pour l'équipe de Suisse. Donc sur la glace, le bloc helvétique qui a marqué les deux buts. Kessler tire précis de Kessler, bloqué par la mitaine du gardien Stalinkov. Dubov qui relance. Kessler. Bertadia. Un puck qui va être récupéré par Kessler. Et puis par Eberle maintenant. Eberle qui insiste, mais c'est Borchewski qui a le dessus. Borchewski pour Prokhorov. Et puis il y aura une pénalité à nouveau contre un joueur suisse. Alors c'est la quatrième pénalité depuis le début du match contre les joueurs helvétiques. Une contre les Russes pour l'instant. Et c'est Bertadja qui va sur le banc après 1 minute et 2 secondes de jeu. Sandro Bertadja. 98e match international pour le défenseur luganais. Sur la glace, il y a Honegger, il y a Balmer, Freddy Lutti et Hollenstein. Juskevic, un tir mal cadré. Jitnik et le puck ressort de la zone. Attention à Hollenstein qui va très vite. Juskevic. Honegger.
Honegger qui essaie de dégager, mais le puck va dans le public. On va donc rester dans la zone de défense helvétique. Déjà 28 secondes de pénalité découlée. Le voici Sandro Bertadia. Alors, entrée de Souter, de Brodman, de Sven Leyenberg et de Triulzi. Et un engagement gagné par les Suisses qui parviennent à nouveau à respirer quelques secondes en dégageant ce puck. Kovalev. Ah, il y a tout de même pas simplement de joueurs qui étaient présents aux Jeux Olympiques de Méribel, donc ce n'est pas une équipe fantôme qui est là du côté russe. Et la Suisse se dégage une fois encore. Encore une minute de pénalité maintenant contre Bertadia. Biakin. Je vous rappelle que l'équipe de Russie, qui s'appelait encore Union Soviétique, n'a pas réalisé un très très bon tournoi mondial l'année passée en Finlande. Prokhorov. Et un puck encore suisse. Kovalenko, retour à Kovalenko, encore 15 secondes avant le retour de Bertadia, Kovalenko, et Tokyo. Alors cette fois-ci c'est une occasion, une réelle occasion de but pour l'équipe russe. Très bonne intervention du gardien de l'équipe championne de Suisse, du CP Berne, Renato Tosio. Tosio qui va jouer vraisemblablement son 100e match ici, à Bratislava. C'est son 99e aujourd'hui. Un puck qui ne ressort pas de la zone, non, il n'arrive pas. Et les Suisses sont maintenant au complet. Quatrième pénalité passée sans dommage par les joueurs de Sedvol et de Killigan. Oh, un peu de difficulté dans la défense suisse. Et attention du bout des doigts alors. Ce puck qui prend la ligne. Renato Tosio du bout du doigt a réussi à le dégager. On en reste à 2-0. On revoit. Ah oui, vraiment, Tosio sort ce puck alors in extremis. Un puck qui allait franchir la ligne, mais il n'est pas entré. Alors Tosio a l'air d'être dans un tout bon jour. Et on engage sur la gauche des buts du gardien bernois. Weber. Bertadia. Un puck qui ne ressort pas de la zone, attention à Malakoff. Kessler, un peu n'importe où. Et on joue depuis 4 minutes 20 maintenant, Weber. Tone qui perd le puck, un puck récupéré par Prokhorov. Hollenstein encore,
Ah, il se heurte à Stamenkov. Bonne occasion, en tout cas pour le joueur de Kloten, Félix Hollenstein. Au revoir. Et il pousse peut-être un tout petit peu trop son puck. Il se heurte au gardien Stamenkov. Engagement sur la gauche des buts du gardien russe. 2 à 0 toujours pour la Suisse. 4 minutes 42 de jouer. Lutti face à Zamlov. Korolev qui perd le puck. Sitnik. Et beau numéro de Zamlov. Arrivée de Petrenko qui perd le puck. Les Suisses vont essayer de ressortir de leur zone. Sont à nouveau dominés les Suisses. Balmer. Antizin. Korolev. Balmer. Dugoneger. Et qui donne directement sur les Russes. Et un tir contré. Tongio peut bloquer le puck sous sa vitesse, arrêt du jeu, mais instant difficile pour les joueurs helvétiques. Et vous voyez, il y a pas simplement de supporters qui ont fait des pincements pour venir assister à ce match. Les supporters qui ont sans doute ne doivent pas être déçus. Et Victor Tikhonov dans votre image. Engagement sur la droite des buts de Renato Tozio. Kovalev. Ah, les Suisses ne parviennent pas à ressortir de leur zone. Voilà qui est fait tout de même, mais pas pour très longtemps. Barkov. Et intervention de Ryulti. Kachuk. Diakin. Souter qui perd le puck. Kovalev. Kovalev sous terre. Et un dégagement de Triulti qui permet aux Suisses de respirer un petit peu. 6 minutes 45 de jeu. Triulti. Donc Triulti qui donne un peu n'importe où, le puck est récupéré par Kovalenko. Et puis Sven Leyenberg qui fait une passe en retrait à son gardien. On ne sait pas très bien en fait ce qu'il a voulu faire, mais Tozio peut capter. Victor Tikhonov qui a pratiquement tout connu dans le hockey sur glace. Ovald. Ovald qui est attaqué par Borchevski qui fait un bon fan-checking. Fer au centre Ovald. Ovald qui perd le puck. Malakoff. Et la passe n'arrive pas. Zubov. Borchevski. Et le puck est ressorti, mais les Suisses ne peuvent pas faire de l'usage hors jeu. Postal,
Les statistiques nous donnent pour l'instant 12 tirs, 12 shoots russes contre 8 aux Suisses. Donc ce qui démontre un match relativement équilibré. Les Russes, depuis quelques instants, les Russes exercent une certaine pression, mais ils ne sont pas véritablement dangereux. Il y a tout de même eu deux occasions réelles de but sauvées in extremis par Renato Tozio. Juškevič. Eberle. Eberle, encore Eberle pour Balmer. Balmerson. Petrenko pour les Russes. Petrenko attiré par Balmer qui peut donner à Juškevič. Oh, c'est bien joué, bonne intervention de Tone qui a empêché Dzitnik de récupérer ce puck. Attention au tir, Tozio repousse. Le puck restera russe. Kovalev. Kovalev Dzitnik. Onegger qui va pouvoir ressortir le puck de la zone. Mais il a trop poussé son puck et c'est un dégagement interdit. Donc on se retrouve une fois encore dans la zone de défense helvétique. 8 minutes et 59 secondes de jeu, 9 minutes de jeu, 2 à 0. Toujours pour la Suisse. Engagement sur la gauche des buts de Tozio. Un Tozio qui a alors beaucoup plus de travail dans ce deuxième tiers-temps que son vis-à-vis Stalenkov. Bautin. Barkov, Antizin. Et un dégagement de Patrick Souter. Dans l'image, vous avez Freddy Luthi. Freddy Luthi donne déjà son 114e match. Il avait commencé sa carrière internationale il y a 11 ans, le 21 décembre 81. Contre la RFA. Et on approche de la mi-match, le puck, non, le puck ne va pas ressortir. Alors les Suisses ont bien du mal à sortir de leur zone. Au centre, il y a beaucoup de monde devant Tozio. Tozio qui va plonger, il ne peut pas prendre le puck. Et puis une passe manquée en retrait. Mais on ne va pas beaucoup plus loin que la ligne rouge. Sven Leyenberg. Époque pour Antizin, Misko Antizin, joueur de Zoug, après avoir été à Ambri Piotta. Kovalenko, Triulti. Et on a franchi maintenant la moitié du match, encore 9 minutes et demie à jouer dans le deuxième tiers-temps. Rothman tire pas très dangereux. Rothman, Kasparaitis, Tozio. Tozio qui remet immédiatement pour Sandro Bertaggia. Oh, Sandro Bertaggia qui fait la passe à ne pas faire directement sur Kovalenko. Tozio devant Kovalenko, Tozio encore. Et il est intraitable gardien du CP Berne aujourd'hui et époque dégagée. Kasparaitis. Prokhorov. Et il y aura 2 minutes.
2 minutes contre Gilles Montandon pour cette faute qui est vraiment assez limite. Alors la Suisse à nouveau en infériorité numérique. Gilles Montandon qui a été fêté pour son 60e match contre les États-Unis vendredi dernier, mais en fait Gilles Montandon dispute aujourd'hui son 108e match international. Lui aussi a commencé sa carrière en 85 contre la Tchécoslovaquie, contre l'Italie pardon. Alors sur la glace il y a Fer, il y a Balmer, Honegger et Weber. Beaucoup de monde devant Tosio. Le poste toujours jouable, un poste que Balmer parvient, que Schiffer plutôt parvient à ressortir. Prokhorov. Prokhorov, Malakoff, Tosio repousse, Fer n'arrivera pas. Zubov était le plus rapide. Prokhorov, Zubov, Prokhorov. Oh, c'est bien joué! Et puis bonne intervention, bonne anticipation de. Avant le retour de Montandon. Hors jeu. Bon, 14 secondes et Gilles Montandon pourra revenir sur la glace. Encore 6 minutes et 36 secondes à jouer dans cette période intermédiaire et toujours 2 à 0 pour l'équipe de Suisse face à la. Sven Leijenberg. Et voilà, Montandon revient sur la glace, les deux équipes sont maintenant au complet. Jitnik, Kovalev, Juskevic, Djanov, Juskevic. Dominé par les Russes. Mais le poker sorti, Brodman, Brodman qui donne devant lui, c'est bien joué. Il s'y essaye de passer, il n'y parvient pas et il y aura 2 minutes contre un joueur russe, monsieur Yokola, arbitre. Juskevic, 19 ans, il vient d'avoir 19 ans même, joueur de Dynamo. Et alors attention à 4 contre 1, les Russes se font vraiment très très menaçants. Tosio à la parade, un Tosio qui aura fait un excellent match, en tout cas pour l'instant. Montandon. Ovald. Ovald Vessol. Il ne peut pas faire grand chose. Il faut être récupéré par Bautin. Bertadia. Ovald. Montandon maintenant. Montandon, Bertadia.
encore 50 secondes avant le retour de Juszkiewicz. Au poteau, tir de Sven Hellenberg sur le poteau. Sven Hellenberg, non, c'est facile, choisi de donner. Eberle, au sort. Oh, il qui manque, on peut la reprise. Alors, belle occasion, deux occasions même de but pour l'équipe de Suisse. Tout d'abord, le tir de Sven Leyenberg sur le poteau. Ensuite, ce centre de Tone manqué de peu par Weber et puis par Eberle. Trois minutes et 34 secondes à jouer dans cette période. Weber et les Russes vont pouvoir repartir, ils sont deux les Russes. Prokhorov sur la droite, c'est pour Boldin. Juszkiewicz encore. Wallenstein. Tone qui essaie de passer entre deux joueurs. Prokhorov. Deux minutes 49 encore dans cette deuxième période. Tupnik. Encore Juszkiewicz. Balmer. Balmer bien joué sur la droite, c'est pour Antizin. Antizin derrière lui. Oh, de l'épaule ou de la tête, on ne sait pas très bien comment. Sans problème sur ce tir de Mautin. Et il reste moins de 2 minutes maintenant à jouer dans ce. Sur le tir de Mautin. Du portier helvétique, un peu de confusion et puis Betriulti en a perdu son casque. Ça sera un dégagement interdit. Sur la gauche des buts de Tosio maintenant. Montandon, Patrick Souter. Et les Suisses qui cherchent le puck, mais ils parviennent tout de même à dégager de Celio. C'est aussi, le puck a été touché, il n'y aura donc pas de dégagement interdit. Pautin. Antin qui donne sur Kachuk. Kachuk au centre, il n'y avait personne. Barkov, et on entre dans la dernière minute de jeu maintenant. Dernière minute. Montandon. Ovald. Montandon. Encore 30 secondes.
Kovalenko, voilà, c'est la fin. Fin de la deuxième période, aucun but n'a été marqué. La Suisse mène donc toujours 2-0. Eh bien, cela n'est jamais arrivé dans un championnat du... Tikhonov a dû secouer les joueurs pendant cette pause. Ils sont menés 2-0 par l'équipe de Suisse. Ils vont vraisemblablement réagir. On peut s'attendre à une très très forte pression de la part de l'équipe russe maintenant dans cette ultime période. 2-0 donc, des buts qui ont été marqués, je vous le rappelle, dans la première période par Jörg Eberle et par Andy Tone. Les Suisses ont bien résisté à la pression russe dans le deuxième tiers-temps. Et maintenant, eh bien, il reste 20 minutes à jouer. 20 minutes, cela peut être long, cela peut être même très long. Alors les Suisses vont entamer ce troisième tiers avec leur premier bloc, Gilles Montandon à l'engagement. Gilles Montandon qui a d'ailleurs gagné l'engagement. Reste à savoir également quelles ont été les consignes données par John Svedvall et par Bill Gilligan pendant la pause aux joueurs de Suisse. Boutsaïev, un bon tir de Boutsaïev, le puck ressort de la zone. Alors on peut s'attendre à un siège des buts de Renato Tosio. Ovald, Ovald, le puck est sorti de la zone qui se fait, qui est pris par Boutsaïev. Bertagia. Et Christian Zebert qui essaie d'ajuster un tir, le puck est toujours joueur. Bertagia, il a tiré sur un joueur couché. Prokhorov, et pas de dégagement interdit. Renato Tosio qui relance immédiatement pour Jörg Eberle. Jörg Eberle franchit la ligne rouge. Un puck à suivre. Récupéré par Zuboff. Prokhorov. Et un renvoi un peu chanceux de Tosio sur ce tir de Prokhorov. Renato Tosio qui a fait un très très bon match, deux premiers très bons tiers. Bolden, Honegger. Et pas de dégagement interdit, même s'il est arrivé le premier. Allenstein. Donc perdu Petrenko. 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 Lutti. Ah, Lutti, il parvient à ressortir le puck de la zone. 2 minutes 20 de jeu déjà dans cette ultime période. Et Freddy Lutti qui fait un petit numéro qui lui permet de se défaire d'un joueur russe. Antizin et puck sur la crosse de Kovalev maintenant. Kachuk
Tiatsou qui a pu donner à Korolev. Et finalement Lutti. Lutti essaye de lancer Tchelio, mais il trouve seulement Biakin. Barkov. Souter. Barkov. 3 minutes et demie de jouer. Bautin et Sven Leyenberg. Triulti. Les Suisses sont 2 contre 3. Oh, avec un tir de Brodmann, pas si mauvais que cela. Pas très puissant en back-end, mais bien cadré. Kovalenko sur la droite. Et un renvoi de la défense helvétique. Boussaïev. Le pocket suisse, oh la question était belle, une charge alors assez violente de Borchevski. Montando, il est avec Kiefer, il cherche Oval sur la droite, il va trouver finalement Fer. Les Suisses ne jouent pas mal du tout dans cette rencontre. Ovald encore. Ovald. Et 2 minutes. 2 minutes contre Bersadia. Pour avoir retenu. Alors Bertaggia, c'est sa deuxième pénalité de la rencontre et c'est la sixième pénalité contre l'équipe de Suisse. C'est l'équipe de Suisse qui pour l'instant n'a pas capitulé dans ses périodes de pénalité. Mais elle était de plus en plus pressée et on peut s'attendre maintenant à ce que les joueurs de Viktor Krylov cherchent à en profiter. Balmer qui parvient déjà à dégager. Pas beaucoup d'engagement gagné d'ailleurs par l'équipe russe. Les statistiques donnent 30 à 20 en faveur de la Suisse. On est toujours sur Bersadia, il reste encore 1 minute et 43 secondes de pénalité contre Sandro Bersadia et le puck récupéré maintenant par Boldin. Prokhorov. Borchevski. Malakoff, renvoi favorable aux Suisses, renvoi sur les... La jambe d'Eberle qui d'ailleurs boitille un tout petit peu, ça a dû faire mal ce shoot. Borchevski. Voilà, les Russes ont installé leur power play pour 55 secondes de pénalité. Oh, ça frôle un peu. Ça sent le souffle devant la cage de Tozio, mais le puck est sorti. Malakoff. Zubov. Borchevski. Juszkiewicz. Zubov encore. Zubov qui donne à Boldin. 20 secondes. Borchevski s'est bien joué pour Zubov. Et goal.
Ah, cette fois-ci, le tir de Zubov était imparable. Et l'Union, l'équipe de Russie revient à 2-1. La pénalité de Bertagia devait durer encore 9 secondes. Alors, après 6 minutes 42 dans cette troisième période, Zubov pour le 2-1. Toujours à l'avantage de la Suisse. Une Suisse qui, bien sûr, se retrouve maintenant au complet. Bertagia. Chelio, il perd la position technique, il le récupère. Zamnov. Kovalev. Et Brodman qui cherche Chelio. Zamnov. Zamnov, il va seul. Honegger. Ah, il reste 12 minutes à jouer. Ça va être très très long pour les joueurs suisses. Ovald. Ovald. Chargé par Juszkiewicz et un puck qui ressort de la zone. Samy Balmer. Balmer attaqué par Tkachuk. Et le puck ressort de la zone. Kiffer. Oh, c'est joli ce qu'il fait faire au détriment de Biakin. Et la Suisse va se retrouver en supériorité numérique. Monsieur Jukela va sortir Zubov a marqué le but. Biakin ici. Joueur de CSKA Moscou, mais plutôt de Rapperswil. Alors, une occasion pour les Suisses. Bertagia, il prend son temps. Oh, il a raison. Et il a peut-être un tout petit peu trop tardé. La poche n'est pas sortie. Bertagia encore. Donne Eberle. Et puis un puck alors qui échappe complètement à Dino Kessler. Kessler, il donne à Weber. Mauvaise passe, Bertagia insiste, tourne aussi. Andy Ton. Et Kessler! Oh, il avait une occasion en or, dit le Kessler, il n'a pas hésité, il a tiré. Et Kovalenko est venu se coucher sur ce tir de Kessler. Ah, il a dû avoir mal, Kovalenko, sur ce tir puissant de Dino Kessler, qui dispute aujourd'hui son 25e match. Le voici, Andrei Kovalenko, joueur du CSKA à Moscou lui aussi. Ah, il a été courageux sur ce tir du défenseur helvétique. Et une occasion alors pour Prokhorov. Stosio s'interpose. Malakoff. Il reste
30 secondes de pénalité contre Biakin. Voilà encore 10 minutes à jouer dans ce match. 10 minutes, la Suisse mène toujours 2-1 contre la Russie. Hollenstein, la Suisse qui évolue en supériorité numérique pendant 15 secondes encore. Oh, l'occasion, Lundberg. Déviation manquée de Antizin. Lundberg, attaqué par Petrenko. Les deux équipes sont maintenant au complet. Antizin. De Zitnik. Tozio. Jamnov. Zitnik. Le puck va ressortir de la zone. Mais il n'y a personne. Si ce n'est Kovalev. Et une grosse faute a été sifflée par l'arbitre finlandais, M. Jukela. Crossroads contre Freddy Lutin. Alors la pénalité précédente avait été signe du premier but russe. Et la Suisse va jouer pour la 7e fois depuis le début du match en infériorité numérique avec Triulti, il y a Honegger, il y a Souter et il y a Brodmann sur la glace. Encore 8 minutes à jouer, 8 minutes 50 à jouer. On lance Boldin, Honegger. Le puck n'est pas sorti. Beaucoup de monde devant. Attention, qui fait un miracle sur ce tir de Prokhorov. Et le puck est sorti. Mais alors Renato Tozio la sauve son équipe. On va revoir le premier renvoi de Tozio et puis la reprise de Prokhorov. Engagement dans le camp suisse sur la droite des buts de Renato Tozio. Il y a maintenant Bertaggia, Kessler, Montandon. Et Fer sur la glace. L'Opoc a sorti de la zone. Et puis même Fer qui assiste. Elle va tirer. Bon tir, bonne intervention du gardien également, mais qui sert à insister à... Cela aurait pu être dangereux. Parce qu'ils jouent sans complexe, les Suisses aujourd'hui. Il est vrai qu'ils n'avaient rien à perdre. Alors, encore 1 minute 10 secondes de pénalité contre Freddy Lutti. Juszkiewicz qui perd le puck, mais il a été récupéré ce puck. Kovalev maintenant. Kovalev au centre pour personne. Et Montandon tranquillement. Voilà, encore 8 minutes maintenant de jeu dans cette rencontre. Ah, Patrick Souter qui a un peu hésité. Et le puck bloqué par Tozio. Tentative en solitaire d'Aïssaï Jamnov, joueur de Dynamo. Un des jeunes lui aussi, 22 ans. Et Tozio a pu capter ce puck sans trop de difficultés. Dans 31 secondes, Freddy Lutti pourra revenir sur la glace. Et la Suisse va se retrouver
maintenant à 4 contre 4. Un joueur russe va aller sur le banc. Alors, c'est Boutsaïev pour une faute que l'on aperçoit tout à droite de l'écran. Boutsaïev pour 2 minutes. Donc, les deux équipes à 4. Maintenant, il reste 7 minutes et 32 secondes à jouer dans le match. La Suisse mène 2-1, je vous le rappelle. Et dans 23 secondes, elle pourra se retrouver au complet et évoluer en supériorité numérique. Christian Weber, Sven Leyenberg, Eberle et Souter sont sur la glace du côté suisse. Souter précisément. Weber. Weber pour Eberle, la passe est mauvaise. Et ça sera un dégagement interne. Avec l'entrée de Balmer maintenant. Alors il y a Balmer, Eberle. Balmer, Leuenberg derrière. Eberle et Weber devant. Dans 4 secondes, Sani Lutti pourra revenir sur la glace. Mais le puck est russe. Voilà, retour de Lutti maintenant. Mironov et un puck qui ressort de la zone. Les Suisses sont en supériorité numérique pendant 1 minute 24. Balmer, Leuenberg, Tone qui essaie de donner directement à Eberle. Leuenberg. Leuenberg, Weber. Ah, elle va s'enferrer, Weber. Allenstein, beaucoup de monde. Et puis le puck est russe, Poutine. Tozio qui redonne immédiatement pour Balmer. Balmerton, oh le mauvais renvoi, défavorable aux Suisses, Tozio repousse, encore 43 secondes avant le retour de Bautin, et encore 6 minutes 15 à jouer dans ce match. Balmer, tire à la ligne rouge, pas très très dangereux pour le gardien Stalenkov, les Russes se dégagent, Mertadia. Allenstein, oh il tente de passer pas loin. Alors Allenstein a tenté le tir à la ligne bleue, un tir qui a failli surprendre le gardien, qui a même complètement surpris le gardien Stalenkov, mais il était hors de, du cadre, malheureusement pour l'équipe de Suisse. Voilà, retour de Bautin sur la glace, les deux équipes sont au complet. 5 minutes 25 de jeu encore. Il y a de Malkov par-dessus. Parkov. Et les Suisses ne ressortent pas de leur zone. Brodmann, cette fois-ci le puck est hors de la ligne bleue. On commence à sérieusement y croire du côté des supporters helvétiques. On commence à y croire. Ce serait un exploit, c'est certain. John Sedbol ici dans votre image. Ce serait un exploit. La Suisse a battu une seule fois l'équipe de Russie. C'était avant les Jeux Olympiques au mois de février. Victoire 3-0, c'était à Fribourg. Cela n'avait pas porté chance à l'équipe de Suisse qui avait été battue très nettement pendant les Jeux 8-1. Et puis aujourd'hui, eh bien, la Suisse est en train de tenir la dragée haute à cette équipe qui fait tout de même partie des grands favoris de ce tournoi mondial. L'équipe de Russie, championne olympique, multiple championne du monde, qui n'est peut-être plus aussi forte qu'elle l'était, mais qui en tout cas est une équipe tout de même redoutable, avec plusieurs joueurs qui étaient présents au tournoi olympique. Eh bien, l'équipe de Suisse est en train de mener 2-1
face à cette équipe de Russie. Si jamais la Suisse parvenait à maintenir ce score, ce serait un exploit absolument extraordinaire réalisé par cette formation. On n'en est pas là, il reste 4 minutes et 22 et 32 secondes à jouer. 4 minutes 32. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat final, la Suisse aura disputé un très très bon match d'ouverture de ce championnat mondial. Et elle se sera certainement mise en confiance. Ce qui pourrait lui permettre par la suite de réaliser d'autres bons résultats. Pourquoi pas? Ovald. Tozio qui sort pour donner à Ovald directement pour Fer. C'est bien joué. Fer, Montandon. Montandon qui va entrer dans la zone. Il conserve le puck, Montandon. Malakoff. Borchevski. Malakoff. Bon, 1 minute 45 encore à jouer. Et le puck ressort de la zone. Allez, les Suisses vont se défendre jusqu'au bout, on peut l'espérer. Bon, Tchetsky. Et l'arbitre ne dit rien. Alors, Leuzberg s'est fait proprement balancer. L'arbitre n'a rien dit. Anditon. Anditon qui est des deux buts marqués par la Suisse. Il a apporté le premier pour Eberle. Il a marqué le deuxième. Petrenko. Ah, si les Suisses parviennent à rester bien disciplinés derrière. On peut espérer que les trois dernières minutes que l'on entame maintenant ne seront pas trop pénibles. On peut l'espérer, en tout cas, on peut le souhaiter pour les joueurs de cette vol. Dipnik. En tout cas, les Suisses sont encouragés. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais les supporters helvétiques alors sont vraiment donnent de la voix. Mais ce n'est pas terminé ici, le tir de Kovalev ne passe pas très loin de la cage de Tozio. Encore 2 minutes et demie. Même si la Suisse devait encore encaisser un but et partager l'enjeu, ce serait tout de même fantastique. Oh, Tozio qui saute ce tir de Dietrich, Tozio qui vraiment aura fait un tout grand match. 2 minutes et 16 secondes à jouer. Le voici Renato Tozio. 2 minutes 13, on commence à y croire sérieusement. C'était inattendu, en tout cas, cette évolution du score. Personne ne donnait de chance à l'équipe suisse aujourd'hui. 2 minutes 13 à tenir encore pour l'équipe de Suisse. Poussaïev est à l'engagement. Engagement gagné par les Russes. Mironov. Triutsi. Brodman et le puck est dégagé. Voilà encore 2 minutes. 2 dernières minutes maintenant. Un tir manqué, mais le puck va rester russe. Kovalenko. Kovalenko, il s'accélère. Et Tozio. Leuenberg. Chelio. Chelio qui conserve le puck. Chelio toujours. Et dégage. Chelio, le puck ressort de la zone. Mais ce sera un dégagement interdit. Ça a gagné quelques secondes. Il reste 1 minute 26 à jouer. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer dans cette patinoire de Bratislava. Le Zimny Stadion, stade Zimny, patinoire de Slovan Bratislava, où la Suisse mène toujours 2-1. 1 minute 26 encore. 1 minute 26, et voici les supporters helvétiques, vous le voyez, ils sont assez nombreux. Alors, on va engager avec le premier bloc suisse sur la glace. Engagement sur la gauche des buts de Renato Tozio, qui aura été vraiment le héros de cette rencontre pour l'équipe de Suisse.
Et Ovaz peut récupérer le puck. Ovaz qui va contrôler le plus longtemps possible. Montandon. Malakoff, Prokhorov. Prokhorov au centre. Ils sont nombreux, Prokhorov insiste, le puck n'est pas ressorti. Oh, il va tirer, il marche. Oh, il tire, il marche, Zubov, 2-2. Plus que de Zubov à 1 minute et 3 secondes du terme du match. Zubov qui a déjà marqué le 2-1, il marque le 2-2 également. 18 minutes 57. Un tir puissant. Mais malgré tout, 2-2, c'est encore un score tout à fait honorable pour l'équipe de Suisse. 1 minute 3 secondes à jouer. Et temps mort. Attendez pas, John Fenball. Ah, ce but, on le sentait tout de même un peu venir. Mais quoi qu'il en soit, la Suisse aura réalisé un très très bon premier match, un très bon match. Être conforme à ce qu'elle était auparavant. On va donc engager. On va engager au centre de la patinoire pour 1 minute et 3 secondes seulement. 2-2 entre la Suisse et la Russie. Et paradoxalement, on aura presque des regrets de voir ce score de 2-2 en pensant que la Suisse menait encore 2-1 il y a à 1 minute de la fin du match. Mais on va surtout espérer maintenant que la Suisse parvienne à conserver ce résultat de 2-2. Ce qui serait tout de même un fantastique exploit. On est entré dans l'ultime minute. Le puck récupéré par les joueurs suisses. Alors, un temps mort avait été demandé par John Fedvold. Un temps mort qui a duré assez longtemps puisqu'il y a eu cette panne. Et puis Tone qui essaie de tirer. 45 secondes à jouer encore. Ah, nul doute que les Russes, eux, vont essayer de marquer le but de la victoire. Ils ne vont pas se contenter de ce match nul. Petrenko, attaqué par Patrick Souter. Le puck est toujours russe et puis il est récupéré maintenant par les Suisses qui le ressortent de la zone. Encore 29 secondes. Dzitnik, Juskevic. Encore 20 secondes. Et puis mauvais dégagement, Boldin. Les Suisses insistent. Antizin toujours. Encore 8 secondes. Ah, on peut peut-être arriver à cet exploit extraordinaire de la Suisse qui va faire match nul contre l'équipe de Russie. Voilà, c'est fait. La sirène retentit. Eh bien, c'est un exploit fantastique de l'équipe helvétique. 2-2 contre la Russie, un des grands favoris de ce tournoi mondial. La Suisse grâce en grande partie à Renato Tosio qui a fait un match irréprochable. La Suisse prend un premier point aujourd'hui contre une équipe contre laquelle on ne pensait pas qu'elle serait capable de le faire, contre la Russie. 2-2 donc, début, je vous le rappelle, marqué par Jörg Eberle après 10 minutes et 34 secondes dans la première période. Le deuxième a été marqué par Andy Thorne après 16 minutes 43, toujours dans cette première période. 2-0 donc à la fin des 20 premières minutes. Aucun but dans le tiers intermédiaire. Et puis dans la troisième période, deux buts de Zubov après 6 minutes 42 et puis après 18 minutes 57. 2-2 donc. C'est la première fois que la Suisse prend un point à l'équipe de Russie depuis que l'Union soviétique participe à des compétitions type de Russie. C'est Zubov. Zubov qui a marqué les deux buts de l'équipe de Russie. Et puis vraiment, on ne voit pas qui d'autre si ce n'est que Stone qui est à l'origine du premier but et qui a marqué le deuxième but dans cette occasion. Oui, on ne voyait pas cet incident, cette occasion. Pouvait être désigné comme meilleur joueur de l'équipe de Suisse, Tosio qui a vraiment fait un tout grand match aujourd'hui dans ce début du tournoi mondial. Il n'y aura donc pas d'île nationale puisqu'il y a eu match nul. Et puis je vous le rappelle donc notre prochain rendez-vous, 13h, c'est pour jeudi, pour un match entre la Suisse et le Canada. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, bonne fin de soirée à tous et puis...